Je dois présenter la série des premiers ateliers qui vont débuter cet après-midi, donc à 14h plus un quart d'heure. J'ai souhaité, pour introduire donc ces trois ateliers, vous donner un petit peu mon appréhension, ma vision, ma représentation personnelle, mais qui n'est pas que personnelle, très certainement, qui doit concerner un certain nombre de personnes lorsque l'on entend le terme flexibilité. Et plus précisément, ce thème ici est associé à celui de précarité et suivi de points par deux autres termes, forme et controverse. Donc, j'ai souhaité tout d'abord faire un petit détour, une petite histoire étymologique de ces deux mots, le nom commun tout d'abord, et l'adjectif. Et on verra que l'adjectivisation, justement, lorsqu'on parle de quelque chose, ou plus précisément de personne flexible, peut-être là aussi, cela introduit une certaine représentation, notamment des salariés, dans la nouvelle économie, que certains appellent aussi la net économie, et ce qui peut justement en découler pour ceux qui travaillent. Donc, petit détour, là je ne vous apprendrai peut-être rien, en petit rappel, le terme flexibilité vient du latin flexibilitas et l'adjectif flexible du mot latin flexibilis. Et lorsqu'on pense à ces deux termes, pour l'instant ne parlons pas de travail, d'économie, ils sont synonymes de souplesse. Flexilis en latin, l'origine, la racine, c'est quelque chose qui se ploie, que l'on peut plier. Et si on regarde cette fois-ci du côté des antonymes, eh bien le contraire de la flexibilité et de quelque chose ou de quelqu'un de flexible, c'est la rigidité. On dit aussi de quelqu'un qui justement ne manque de souplesse ou d'esprit ou comportemental, qu'il a un caractère inflexible, même voire parfois qu'il est raide, cassant et dur. Autrement dit, la flexibilité, le terme, comment pourrait-on penser, quel mal pourrait-on y voir? On pourrait même dire « au niçois qui mal y pense », puisque, effectivement, et là, la métaphore ne vient pas de moi, certains économistes et gestionnaires se plaisent justement à filer la métaphore et à rappeler, dans le domaine de l'économie, dans le champ des entreprises, du management aussi, qu'on peut trouver si on cherche ses souvenirs d'enfance, les fables nous racontent effectivement les vertus de la flexibilité. Souvenons-nous de Jean de La Fontaine, du chêne et du roseau, le roseau disant au chêne, face à l'adversité des éléments, notamment à la tempête, je plie et ne romps pas. Alors maintenant, suite à ce petit rappel, voyons ce qu'il en est de cette poétique de la flexibilité dans le domaine de l'économie, dans le domaine du travail et de l'emploi. Et puisque j'en étais à filer la métaphore, cette fois-ci je vais vous parler de rimes, flexibilité, dans le langage aussi également des économistes, des gestionnaires et du management, eh bien on peut faire des rimes avec ce mot. La flexibilité rime avec l'adaptabilité des entreprises, avec l'employabilité des salariés, avec la mobilité aussi, géographique, des compétences. Alors, je m'arrête un petit peu sur ces trois mots. Que recouvre-t-ils? Pourquoi l'adaptabilité des entreprises? Ne nous dit-on pas, là encore, qu'en période de crise, entre guillemets, en période de forte concurrence, donc dans un environnement qui accroît l'incertitude et les risques associés à l'incertitude, les entreprises doivent s'adapter à la demande, à la loi de l'offre et de la demande, à la concurrence. Donc les salariés, bien sûr, qui sont embauchés par des entreprises, doivent eux aussi acquérir
certaines capacités, ils doivent devenir employables, ils doivent être capables de se rendre employables et eux aussi doivent faire preuve de cette souplesse, en tous les cas, doivent abandonner ce que certains condamnent, à savoir la rigidité, notamment du droit du travail en France, j'y reviendrai tout à l'heure. La mobilité aussi, donc la mobilité, elle se décline non seulement en termes géographiques, aujourd'hui, pour être capable, pour être employable, il faut parfois s'exiler, parfois assez loin de chez soi, mais il faut aussi savoir faire preuve de flexibilité de ses compétences, être multifonctionnel. Donc ce sont les postes qui sont multifonctionnels, mais si ce sont des postes, ce sont des individus qui les occupent. Donc ce sont les individus aussi qui doivent faire preuve de capacité à avoir des compétences multiples, transversales. Alors, puisque ce premier forum comprend dans son intitulé les formes de la flexibilité, j'ai refait un petit abécédaire de l'économiste et comment, en fait, les économies donc, déclinent cette fable du chêne et du roseau. Et puisque c'est un abécédaire, je me suis efforcée donc, de mettre les termes clés, les mots clés, donc de la flexibilité dans l'ordre alphabétique. Un terme, bien sûr, quand on parle de flexibilité de l'économie, de la flexibilité du travail, voire de la flexibilité donc, du management, un terme qu'on ne peut pas méconnaître, c'est celui d'adocratie. Si on prend là encore l'étymologie, la racine, adoc, c'est quelque chose eh bien, qui nous sert justement à assurer un besoin immédiat, et gratie, de kratos, donc possibilité, le pouvoir, donc c'est le pouvoir des choses, on pourrait dire, comment on pourrait le traduire, juste à temps, quoi, du juste à temps, quelque chose, un besoin immédiat qu'il s'agit donc de pourvoir. Donc l'adocratie, ce terme a été introduit dans les années 1960 par deux économistes, Bénis et Slater. Alvin Toffler, ensuite, en a formulé les principes dans un ouvrage qui est devenu assez connu, Le choc du futur. Et ensuite, il a été popularisé par un autre auteur, un autre économiste qui s'appelle Waterman. Et un universitaire canadien, Henry Mintzberg, en a décliné les formes, cette fois-ci, dans le cadre du management. Donc, ces principes adocratiques, bien sûr, qui permettent eh bien, d'agir tout en souplesse, tout en rondeur, tout en flexibilité, donc, et qui sont le contraire, justement, d'un environnement rigide qui caractérisait, par exemple, les entreprises, les organisations de la période taylorienne, fordiste. Donc, désormais, on doit abandonner tout ça et se soumettre, donc, à cette ce qui est considéré comme une exigence d'adocratie. Donc, on doit être capable, comme je le disais tout à l'heure, de réaliser des tâches multiples. On doit pouvoir travailler aussi en petit comité à partir d'une logique de projet. Hein. Donc, qui dit logique de projet aussi renforce encore l'idée de devoir être le plus souple possible, puisque dans un projet, eh bien, il y a des moment de grande incertitude et il faut faire face donc aux risques qui sont associés à ces incertitudes. Les formes que peut prendre la flexibilité, là encore, c'est peut-être des mots que vous avez entendus, auxquels on ne fait même plus attention, tellement ils semblent évidents aujourd'hui dans notre monde postmoderne, que certains auteurs comme Bauman qualifient même de liquide. Hein. Plus rien n'est certain, plus rien n'est sûr. Tout est flexible. On est dans un mouvement permanent et on doit s'adapter à ça. Donc les entreprises doivent adapter le coût de leur main-d'œuvre hein, en fonction, là encore, de leurs demandes. La flexibilité peut prendre des formes internes et externes. Donc la flexibilité externe, eh bien là encore, elle consiste à faire appel au travail le moins coûteux, à l'intérim,
à parfois même au licenciement. La flexibilité interne consiste donc à demander aux salariés de s'adapter de plus en plus souvent à des rythmes de travail qui sont de l'ordre de l'urgence, à faire face à des impératifs qui n'étaient pas prévus. La flexibilité fonctionnelle, là encore, demande aux salariés de s'adapter à des compétences multiples et d'en développer de nouvelles, etc., etc. La flexibilité aussi temporelle, qui rejoint ce que je viens de dire, c'est-à-dire le fait de devoir s'adapter à des rythmes de plus en plus courts, à travailler dans l'urgence. Donc, que peut-on penser de tout cela, puisque, de toute façon, on nous dit que c'est quelque chose à laquelle on ne peut plus faire face et que, en raison, justement, notamment en raison de paramètres économiques, on ne peut pas désormais fonctionner autrement. Alors, ces formes de la flexibilité, pour ma part, moi, je ne trouve pas qu'elles vont de soi. Je suis toujours dubitative face aux conceptions et aux considérations des économistes, enfin de certains économistes, hein, pas de tous, mais qui nous parlent comme si cela allait de soi, effectivement, d'un monde comme ça, qui économique, qui serait non régulé, qui serait totalement et auquel les individus doivent se soumettre. Alors, on a vu que les économistes et les gestionnaires pouvaient aussi filer la métaphore. Et puis sinon, justement, on parlait de souplesse et ils sont aussi, ça fait des très belles courbes comme ça, vous voyez, enfin peut-être ceux qui sont loin, mais ce sont des spécialistes aussi des courbes, des cycles, donc là encore, souplesse. Alors là, par exemple, dernièrement, par curiosité, j'ai été voir un petit peu dans la presse, puisque pour pouvoir aussi introduire le thème d'aujourd'hui, ce qu'il en était dans la presse quotidienne, par exemple dans Le Monde, du thème de la précarité et de la flexibilité. Donc, je tombe sur un article d'un monsieur qui s'appelle Évariste Lefebvre, qui est chief economist aux États-Unis, chez Natixis, plus précisément, et sur un blog donc, du Monde, qui date du 13 novembre 2013, qui a écrit un article qui a pour intitulé « Flexibilité du travail, une désillusion américaine ». Donc, Évariste Lefebvre fait en quelque sorte, courbe à l'appui, mène une réflexion sur les deux années qui ont suivi la fin de la crise aux États-Unis et ce qu'il en découle. Alors, moi, j'ai fait de la psychologie, j'ai pas fait de l'économie. Je manie aussi les chiffres, mais dans un autre domaine. Il m'arrive parfois de faire des enquêtes quantitatives, entre autres. Et là, j'avoue que, eh bien, je vais continuer dans ma droite ligne de réaction peut-être enfantine et je vais m'interroger, c'est-à-dire les deux courbes ici que je me suis refusée à vous projeter sur PowerPoint, ces deux courbes, je vais avoir une réaction très naïve. Voilà ce qu'elles représentent. La première est la courbe donc qui correspond à la productivité du travail au cours des deux années qui ont suivi la fin de la crise aux États-Unis. Et cette courbe, enfin, ceux qui sont complètement au fond, ils ne verront pas. Mais on voit qu'elle est tendancie, comme beaucoup de courbes réalisées par des économistes. Et donc, on voit que ça ne cesse, c'est les montagnes russes en tous les cas. Mais en tous les cas, deux ans après la fin de la crise, effectivement, bonne nouvelle, la productivité du travail a augmenté de 7%. Et dessous, il y a une autre courbe. Donc là, elles ne sont pas superposées, mais on pourrait s'y amuser. Toujours à partir de la même période, au cours des deux années qui ont suivi la fin de la crise, l'emploi a stagné. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, peut-être suis-je, enfin c'est même une certitude, je suis peu informée en la matière. Je lis un peu, quelquefois, les pages du Monde ou d'autres journaux ou la revue Alternative économique. Et ce n'est pas la première fois, effectivement, que je vois ces deux courbes qui ne correspondent pas du tout. C'est-à-dire, comment se fait-il que la productivité du travail augmente, mais par contre, l'emploi stagne?
Alors, dans ce forum, on va nous parler de flexibilité, justement, du travail. Qu'en est-il ? Pourquoi cette flexibilité dont certains nous vantent les mérites ne crée pas d'emploi ? Voire parfois crée des choses, parce que quelque chose de flexible, hein, je renvoie à ce que j'ai raconté tout à l'heure sur l'origine étymologique du terme. Comment se fait-il que dans notre monde flexible, en mouvement permanent, moi, autour de moi, ce que j'observe, c'est énormément de rigidité. C'est-à-dire, c'est quand même un système, je ne sais pas si c'est lui tout seul qui les produit, mais il est curieux, par exemple, de voir qu'il y a des inclus, enfin, s'il y a des exclus, c'est qu'il y a des inclus. Donc, un système aussi souple, normalement, devrait dégripper les rouages et on devrait avoir un monde merveilleux. Hein, donc, et en fait, c'est pas du tout ce qu'on voit. Et je crois que dans les trois ateliers qui suivent, qui vont décliner aussi à leur manière ces formes et ces controverses de la flexibilité, nous allons avoir des intervenants et des modérateurs qui vont nous parler, par exemple, du lien social avec et en dépit, malgré la flexibilité du travail. Donc, ici, nous aurons un regard croisé entre l'artiste, je vous ai qualifié comme ça, hein, j'espère que c'est... Monsieur Dessenois, un chef d'entreprise, c'est inexact, mais je vous ai qualifié, vous savez bien que les qualificatifs sont toujours imparfaits et incomplets, mais vous allez vous présenter ensuite. Un chef d'entreprise, Daniel Porot, et un ingénieur, Jean-Michel Camin. Donc, l'atelier 2 va nous parler de fabrique de l'innovation sociale. Alors là encore, ce n'est pas moi qui le développerai, donc ces deux premiers ateliers seront... modéré donc par Anne Piponnier, voilà, par Anne Piponnier, professeure ici à l'université Bordeaux 3. L'innovation sociale, là encore, il y aura certainement beaucoup de choses à en dire, puisque effectivement, cette flexibilité semble créer bien des désordres, au point que il faille aujourd'hui trouver des citoyens qui s'engagent et faire appel aussi la communication publique, aux collectivités territoriales pour pallier donc les problèmes qui sont inhérents à la flexibilité. Donc dans cet atelier 2 que Anne animera également cet après-midi, elle vous en dira un petit peu plus tout à l'heure, donc vont se rencontrer et échanger des responsables d'entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc Alain Michenet et Jean-Pierre Becker qui doivent être dans la un responsable d'agence en innovation sociale et politique, donc monsieur Paluot. Et dans le dernier atelier de la journée, donc ce sera une collègue, Myriam Bahuot, donc maître de conférence à l'université Bordeaux 3, spécialisée en communication des générations, qui animera un atelier qui est consacré, je l'ai réintitulé comme ça, aux jeunes et aux seniors. On sait effectivement que dans ce monde économique, dans cette nouvelle économie de la flexibilité, l'âge est désormais devenu une variable d'ajustement. Là encore, je reprends les termes fort poétiques de certains économistes, et que les jeunes et les seniors donc permettent de réguler un petit peu là où ça ne va pas. Donc, Myriam donc modérera cet atelier qui est consacré à la solidarité intergénérationnelle face aux ajustements du marché du travail par l'âge. Donc, et elle fera intervenir ou interviendront Claire de Perrelon, qui est de la mission locale d'Aquitaine, et M. Huyez Levrin de l'agence Ergan. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent colloque à toutes et à tous. Merci.